Play zone. La salle de jeu. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est mon jumper, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça me tout nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour découvrir Joyville, le nouveau Poppy Playtime, on peut le dire. Et on se retrouve du coup pour un jeu d'aventure de type puzzle qui se déroule dans un camp d'enfants abandonné. Préparez-vous donc pour un voyage captivant à travers les ombres et résolvez les énigmes et tentez de survivre au milieu des monstres qui sont cachés et qui vous attendent. Oh là là, regardez. Attends, ça serait pas le nouveau Huggy Wuggy? Buggy Wuggy plutôt. En tout cas, il a l'air d'y ressembler avec sa silhouette. Et c'est parti pour Joyville. D'accord, donc déjà on arrive... Ok, direct comme ça, ok. Donc là... On vient d'un ascenseur j'imagine. Hein. Ouais, je crois pas. Non, il a pas l'air fonctionnel en tout cas. Ok, faites attention. Ok, suivez les consignes, pas de problème. Oh la porte! Attends mais... C'est énervé, c'est quoi ça? Des caméras de surveillance? Ah, tu peux prendre les objets? Wouh! Wow, d'accord, ok, j'ai de la force, je vais à la salle de sport, hein, clairement. Ça a pas l'air de marcher. Alors qu'est-ce qu'on a sur les caméras de surveillance? On a une salle d'atelier avec un espèce de pied de biche jaune. On a le monstre jaune, j'ai cru qu'il était jaune. Hein. Ça c'est l'entrée où on se situe. Et là, c'est une espèce de salle avec des auto-tamponneuses. Ça roule. Ça se voit que c'est abandonné, mais depuis combien de temps ça doit dater quand même. Oh, un caméscope, excellent. Oula. Ok, c'est moi, j'enregistre. C'est un vieil enregistrement, ok. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais quelque chose... Quelque chose de terrifiant est là. Et il s'attaque à tous les enfants. Et à tous les employés. I don't understand why. Je sais pas pourquoi, mais... I saw it. It's a creature. C'est une créature, je crois. So horrifying, it haunts tellement my every tellement horrifique. Waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes. Il a des eyes yeux. In its mouth. Il a des yeux et Can une bouche. Imagine? It's Imaginez. Like a nightmare brought to life. C'est comme un cauchemar qui est vivant. I can't even begin to fathom its purpose or origin. Il arrive. That shadow. J'ai vu son ombre, tu vois son ombre. Il est tellement grand. Il est là, juste derrière là. Juste derrière la porte. Il est dans Joyville. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de trouver quelque chose. Faut que je sorte d'ici. Si vous regardez ceci. S'il vous plaît, à envoyer de l'aide. Je suis piégé et je suis terrifié. Je ne sens pas. Oh oh, il est là. What? Oh là. Oh là là. Ah. Eh ben bon appétit. Je crois qu'il l'a mangé. Hein. Je suis pas sûr, mais Donc c'était juste ici qu'il filmait, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui. D'où son caméscope qui est tombé. Et du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est un balai. Ok, c'est pas un pied de biche. Oh la surpuyeur! Ah oui, il y en avait une deuxième là. Oh, il aurait pu essayer de bloquer un peu plus la porte, mais je pense que c'était un peu trop tard. Ok. On dirait un peu un mélange entre Garden of Banban et Poppy Playtime. Oh! Arrestation. Harrison Vanderbilt, le fondateur de Joyville, a été arrêté. La ville est sous le choc. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez lire, n'hésitez pas à faire pause! Ok, ça c'est la zone des auto-tamponneuses qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, tu vas pas éteindre la lumière. Ah non, et pourquoi j'ai pas une lampe torche? J'ai rien du tout. Attendez, on va virer ces cartons. Parce que je vois qu'il y en a un paquet là, sur le truc. Un espèce de disjoncteur. C'est à mon gosse ou quoi? Ok, la porte est verrouillée depuis l'intérieur. On va peut-être trouver le moyen de passer. Attendez, mais est-ce qu'on peut ouvrir les casiers au moins? Ah, j'ai pas l'impression. Oh si! Oh, des caméras de surveillance. Ok, j'ai un peu glissé dedans, non? Carton, d'accord. Alors tous les casiers s'ouvrent pas. Hein. Celui-là peut-être? Attends, oh, celui-là il est dur. Oh, les clés! À tous les coups c'est pour la porte. Let's go. Ouais, c'était ça. Ok. Système de disjoncteur. J'imagine qu'il faut relier les câbles. Alors attends, donc là on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors... Ah, c'est par rapport aux autres tamponneuses, je suis sûr. Elles avaient des numéros, regardez. Donc le rouge, c'est le 2.
Rouge c'est 2. Jaune c'est 3. Rouge c'est 2. On peut les retirer ou pas? Ouais c'est ça. Alors rouge c'est 2. Et là c'était jaune c'est 3. Hop. Voilà c'est Among Us le truc hein. Ok ensuite vert 1, bleu 5. Vert 1, bleu 5. Et il en reste 2, le blanc et le rose. La 4 et le reste, ok. Donc ça c'est la 4. Et ça c'est la 6 pour la blanche. Ok, ça envoie ça envoie de l'électricité dans la salle de sécurité, parfait. Et du coup là, si ça se trouve je peux actionner ça. Yes. Et ok, ça a activé les ascenseurs, génial. Sympa l'ascenseur. Ok, fermeture automatique, très bien. Bon. Pour l'instant on n'a pas vu l'énorme peluche jaune hein. Où est-ce qu'on va arriver là? Oh, Wooly Bully. Énorme, c'est son nom. Wooly Bully. Excellent. Explore, crée et amuse-toi. Énorme, la mascotte Wooly Bully. Ouais, ça se voit que c'est quand même très inspiré de Poppy. Oh, sympa. Petit système de... Ok, de numérique, tout ça. Tablette. Ok, on a des portes rouges, bleues, jaunes. Ça, c'est pour partir du niveau B2, d'accord. Donc, oh, stylé la porte, là. Énorme, c'est la mascotte de Joyvie, du coup. Trop, trop bien. Ok, ok. Bon, du coup, est-ce que je peux accéder une porte ou pas du tout? Ah, yes. On dirait un vestiaire pour les enfants. Attendez. J'entends des bruits. Ah non, c'est moi. Ok, j'ai eu peur. Sac à dos licorne. Bon, il a vraiment... Ah, j'allais dire tout déchiré. Oh, c'est qui, ça? C'est une nouvelle mascotte? Ok. Ah, il a perdu ses crocs, hein. Il doit y avoir des trucs dans les casiers. Oh, un nounours avec une caméra dessus. Hi there. Eh, bonjour. If anyone is watching this, si vous regardez ceci, please, s'il vous plaît, carefully. Faites attention. My name is Ethan Jenkins. Mon nom est Ethan Jenkins. Et je viens de Joyville. Quelque chose de terrible vient d'arriver. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Va falloir retenir quelque chose de très important à propos de cet ours. Ce ours, ce n'est pas un jouet. Il a une puce. Une puce spéciale. It's a long story. C'est une longue histoire. Revealing it on camera because I don't know who might find it, but je sais pas combien de temps il me reste avant qu'il me trouve, mais it opens doors. Et pour ouvrir les portes. It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now. Je peux pas donner plus de détails maintenant à propos de cet ours. Ok, sympa l'ours. Oh, l'ours du futur. C'est le moment d'avoir du fun. Ah, pas ouvert. Ah, c'est peut-être pour la tablette. En fait, c'est une batterie. Ok, ouais, c'est comme une carte d'accès, quoi. Scalé, on sent peluche. Wow. La lumière, c'est en option. Wow. Hello, and welcome to Joy. Hey, et bienvenue à Joyville. À Joyville, on fait rêver des enfants et on découvre l'exploration et on fabrique des choses avec de l'expérience et on prend de l'expérience. Ouais, donc le but c'est vraiment que les enfants deviennent créatifs, qu'ils s'amusent et qu'ils oublient tous leurs soucis. Voilà, et qu'on laisse place à l'imagination des enfants avec leurs jouets. Avec les jouets. C'est un endroit pour transporter tous les petits dans un endroit merveilleux. Incroyable. C'est une sacrée expérience pour votre enfant. On apprend beaucoup de choses pour le bien de l'environnement. Qui garde beaucoup de garde beaucoup de bonnes choses en mémoire. Oula! 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 Oh, c'est... Ah! Ça faisait partie de la cassette ou... Non, parce que c'est pas une bonne idée hein, de mettre ça en montage. Hein. J'attrape tout le monde.
C'est le meilleur endroit de tout l'univers. Enfin, il y a plein de jeux, c'est trop fun. Sabrina. J'adore Joyville. J'aime bien les carousels, moi. C'est trop cool. Tom. Ce monstre est vraiment adorable. Ethan a vraiment été heureux. Je t'aime. C'est mon endroit préféré. Il a déjà dit Ethan. Ok. Waouh, les règles. Safety first. Faut tu lire. Ok, donc il faut respecter les zones. Ok, les zones pour nourriture, les zones de jeu, les zones pour se reposer. Faut bien aller aux toilettes. Faut bien respecter les endroits pour les toilettes. Très bien, faut sourire et être heureux. Bon, d'accord. Oh, c'est un ticket. Charlieville. On peut pas fouiller les casiers. Mais c'est incroyable, le jeu est vraiment super bien fait. Hein. Slimy gummy friend. Ok, donc c'est des bonbons. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi les monstres sont venus à la vie, quoi? Est-ce qu'ils sont devenus intelligents et fous à la fois? C'est bien, si tu peux grimper tout en haut de la tour. Je fouille, hein. Waouh. Mais c'est incroyable, la vue. Ouais. Hop là. Très bien. On peut aller là-dedans ou pas? Non. Ou alors, faut s'accroupir, j'imagine. Ah ouais, tu peux vraiment descendre là-dedans. Wouah. Ah. Trop bien. Regardez les mascottes et tout. Oh. Ça, c'est un train pour aller vers Joyville. Il a pas l'air d'être actif, en tout cas. Mais il y a plusieurs zones. La zone de la chenille, on dirait. Quand un toboggan. Ah, ça, c'est le jukebox. Joywheel. La roue de la joie, quoi, en gros. C'est un peu ça. Ah. C'est la zone de jeu, là-bas. Qu'est-ce que... J'ai plus de batterie. Ah, c'était ça fait tourner le nounours et, avec la musique. C'est normal. Ok. Ah, c'est parti, attention. La roue. Ça a marché? Je peux la faire tourner? Ok. Il faut retenir quelque chose. Ah, il faut trouver le rouge. Ok. J'essaye. Ok, attends, j'essaye de voir. Ah, c'est un code. Oh là. Si tu... Ah, d'accord. C'est par rapport à l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu foncé, violet. Les choses qui tournent, c'est pas trop flippant. Play zone, la zone pour jouer. C'est trop sombre ici. Ok, bon, j'ai utilisé toute la batterie de mon ours pour alimenter le système. Ok. Mais c'est gigantesque, hein, vous avez vu comment c'est grand? J'ai pas vu où c'était. Ah. C'était sûr. Oh. Y'a des flashbacks. Attends, je suis revenu ici. Ah, let's go. Ok, tu reviens ici direct. Pas de problème. Je reprends ça. Ouais, c'est bon, je connais. T'inquiète, j'ai l'ours. Ok, ça roule. Hop là, et on va rouvrir la porte. Très bien. Oh là là. Ok. Donc c'était ça, je pense, hein. Il fallait retenir par rapport à la lumière de l'arc-en-ciel. Je vais prendre tout de suite le ticket. Voilà. Ok. Donc là, on va retenir. Oh, la tête là-bas, pas du tout flippante. Ok, on va replacer l'ours. Faut pas bouger, en fait, voilà. Parce que moi, je crois que c'était pas normal. Il était en train de bouger en dehors du truc. Sympa, en vrai. Sympa, mais flippant, la chenille, hein. Ok. Donc là, on va pouvoir jouer. Donc là, c'est rouge. Est-ce que ça se lance tout seul? Ok, c'est bon, je crois que c'est parti. Ah oui, c'est le ticket. Je viens d'insérer le ticket. Donc là, faut le rouge. Rouge. Je pense que c'est ça. C'est rouge? Yes, c'est ça. Ensuite, c'est orange. Donc là, c'est là. Orange. Ensuite, c'est jaune. C'est bon, c'est ça. Ça va de plus en plus vite, donc il faut la retenir. Ouais. Jaune est là. Ensuite, c'est vert fluo. Oui, c'est ça. Tout en haut. Ok. Vert fluo. Ensuite, c'est bleu ciel.
Ok, c'est bon, c'est ça. Oh, ça va super vite. C'est lui. C'est ça. Let's go. Ensuite, c'est bleu foncé. C'est lui. J'ai failli confondre deux bleus. Hein. Celui-là. Et ensuite, c'est violet. Yes, c'est ça. Ah oui, regardez, en plus, on voit là-bas. Trop bien, ça l'allume. Regardez. Oh, la tronche des nuages. La tête des nuages, s'il te plaît. Yes. Alors, tu vas voir la maline, hein. C'est parti pour une nouvelle zone. Waouh. Pas cool la fermeture de porte là. Attends, mais c'est encore en travaux. Oh. Ah. Chou. Ah. Ah, ma tête. Ah. Enfin une lampe torche. Ça, ça va m'être utile. Ok. Oula. C'est quoi les deux yeux là? J'aime pas ça, vite la lampe torche, vite, dépêche-toi! S'il te plaît, prends la lampe torche. Ok. Ah non, c'est rien, c'était rien, je pense. Ok, j'ai mon ours, mais j'ai plus de batterie. Ouah, je suis tombé de vachement haut en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, c'est mieux quand même avec la lampe torche. Oh, la chenille qui est vivante! Oh, la chenille qui bouge. Alors, on va pas à la droite, hein, parce que forcément, elle vient de droite. J'espère qu'elle va pas venir, s'il vous plaît. Danger. Comment on ouvre cette porte? Ah, je peux pas aller là-bas, d'accord. Ça s'est effondré. Très bien, il faut que je trouve sûrement un levier. Oh non, on doit aller vers la chenille. Non, non, t'es pas sérieux. Allez là-bas. Oh. Ah, c'est de la espèce de morph de limace. Oh, la tronche. Yes, yeah, super. Et finalement, je préfère Ugibugi, hein. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Quelqu'un? Ok. Bien, bien, bien. Alors, allez, j'ai plus de batterie pour mon ours. Pour utiliser la tablette. Parfait. Ça essaie de passer là en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a là-bas? Un levier. Ça a quoi ça? C'est pour recharger peut-être l'ours. Et j'ai pas de levier pour ce truc là. Est-ce qu'on peut bouger les cartons? On peut pas les bouger ceux-là? Ah là il y a un truc là non? Ouais. Ok. Ah. Ça alimente un truc. Faut que je me dépêche. Donc j'imagine qu'il y a un levier à récupérer quelque part. C'est pas le truc là-bas par hasard? Ah si, c'est ça. Faut que je trouve le moyen d'y accéder. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de retourner en arrière, mais... J'ai pas l'impression qu'on ait un accès quoi que ce soit pour y aller en fait. Hein. Essaye de voir. Ouais non. On peut pas empiler les cartons par hasard. Ah, on peut peut-être empiler. Regardez ça. Hop. Et regarde ça. Hop. Voilà. Yes. Yes. Rien dans le casier. Ok. Merci pour le levier. Ça, c'est bien sympa. Ouais, porte verrouillée, bien sûr. Hop, on va repasser par là. Hop. Pas de limace, s'il vous plaît. Donc, il va falloir être rapide. Hop, c'est bon. Allez. Allez, recherche Teddy Bear. Allez. Mais attends, mais il est vraiment vivant en plus! Il recharge! Allez! Recharge à fond! Oh, ce super chargeur rapide! Encore de la batterie? Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, 51. Oh, c'est bien, on va pouvoir le mettre à 100%! Excellent! Encore un peu. Allez, dépêche-toi! Vite! Allez, le 100%, s'il te plaît! Allez, mon pote! C'est bon! Oh, il est bien! Oh, il est bien! Ok, nickel. Avec ça, on va pouvoir utiliser. Hop, sur le scanner.
Accès autorisé. Yes. En plus, ça n'a même pas utilisé de batterie. Ça ferme la porte. Wow. On est vraiment dans la partie maintenance, en fait. Hein. Secteur D, fermé. Secteur... Aïe. Secteur C, secteur A. Lui, il va être terrible quand on va le croiser, hein, le lézard, le Godzilla. Oh là 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 là, mais please. Je vois rien derrière. Hein. Donc, je vais fermer cette porte dans le doute. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression. Ouais, je vois rien derrière. Au cas où, il y avait peut-être un petit easter egg, un petit secret. Ok. La salle de jeu. Game room. C'est quoi ça? Ah, c'est une télé pété, on dirait. Bon, bah... C'est parti pour la salle de... Salle de jeu. Hop. On y va. En tout cas, c'est beau. Hein. Ok. Allez, on y va. Est-ce qu'on va arriver cette fois-ci? Wow! Ok, où est-ce qu'on est arrivé cette fois-ci? C'est quoi cet étage-là? Waouh! Le démon, le démon, le démon. Enfin, le... Ah, c'est ça. Ok. Evil, démoniaque, démoniaque. Il est terrible, ou terrifiant. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ok, sympa la porte. Mais qui a écrit ça? Oh, là, ils font un lapin comme système d'accès. Très bien, très bien. Ok, il y a trois chenilles. On a vu les trois chenilles. La rose. La verte. La rouge, je crois que c'était la pierre. Tiens, éteins la lumière. Ok, heureusement que j'ai la lampe torche. Très bien. L'ours en peluche, j'ai l'accès. Wow. Ah ouais, mais sans lumière, tu vois rien. Wow. Oh. Joyville. On n'est pas tout en haut, là? Si, si, on est sur les... On est à l'étage de la salle d'entrée, hein. De l'accueil. Hein. Ah, les portes sont fermées. Ah, c'est le toboggan! Let's go! Ah! Un truc pété. Oh, bah! Mordi. C'est ça? Mordi. Drôle de tête. Elle a pas l'air sympa, hein. Donc, c'était un peu pété comme ça aussi, hein, derrière la grille, ce qu'on voyait avant de prendre l'ascenseur. Danger, danger! Autorisation au personnel seulement. Ok. Bon, bah, très bien. On est obligé d'aller dans le toboggan? Je crois qu'on n'a pas le choix. Attendez, je vais aller voir de l'autre côté ce qu'il y avait quand même. Je vais être sûr que j'ai rien oublié. On va aller voir ça. Regardez. Ah ouais, c'est ça. On voit bien qu'en bas, il y avait le jukebox. Ah ouais, on peut même aller là-bas aussi. En fait, c'est immense. Hein. Il y avait une autre porte ici. Oh, il y avait un truc au sol, j'ai bien fait de venir. La chenille verte. Ronnie. D'accord. Ok, donc ils ont bien des noms, hein. Ils ont bien des noms. Donc c'est ça, donc il y a des petites feuilles à trouver. Impeccable, donc il y en a trois à trouver. Très bien. Je vois plus rien en bas, hein. Ils ont tout éteint. Bon bah, j'imagine qu'on n'a pas le choix de descendre le toboggan. Allez, c'est parti pour du fun, hein, comme il disait. Ah, elle est là, la troisième feuille. Blenny. On la voit pas, hein. C'est terrible, hein. La lampe torche, je me la mets dans les yeux depuis tout à l'heure. Voilà. Allez, let's go. C'est parti pour descendre ce toboggan. Ok, accroche-toi! Wow! Yes! Ah, je peux accéder à cette porte, excellent! Non? Attends, mais comment j'y accède? Je peux pas prendre la feuille. Ah, c'est bon, ça s'est ouvert, c'était fermé tout à l'heure! Play zone! La salle de jeu! Ah! Non! Mouli Pouli! Ça va la porte? Il arrive, il arrive! Oh, c'est fermé! Oh, je suis mort! Non, Mouli, s'il te plaît! Mouli!
comment je l'esquive? Ah, Bouli, sois sympa, Bouli, s'il te plaît. Ah d'accord, tu reviens là. Est-ce que j'aurais pas dû prendre le train par hasard? Oh là là, je m'y attendais tellement pas. Oh, bah au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a vu le screamer, hein. On a eu le screamer. Hop là, et on est reparti. Attends, mais les portes sont fermées, je suis censé passer où, en fait? Je pense pas qu'il faut aller là-bas, en direct. Attends, mais sans déconner. Il arrive. Il arrive. Oh là 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 là. Je dois en faire quoi? Je dois faire quoi? Oh, le toboggan, il est allumé. Oh, tu peux pas venir là. Bouli, tu peux pas venir ici. Il est là. Oh, oh là 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 là, le pire. Yes, il peut pas venir. Oh, trop bien. Fouah, il fallait se cacher. Ok, tout s'est rallumé. Oh là 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 là. D'ailleurs, c'est lui, ça, non? Fouah. Mais il est terrifiant! Il est terrifiant, sérieux! Il voulait faire un gros câlin, mais moi je voulais pas! Ah, donc c'était sûr qu'il fallait aller par là. Oh, ils ont fermé la porte. Waouh, l'air de jeu! Trop stylé! L'air de jeu de Woolly. Woolly Billy. Excellent! Donc là, on a deux toboggans. On a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Essaye encore! Qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air de... Ça a pas l'air de marcher, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là! On a des boules. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Pourquoi il y a un truc au sol? Ah, peut-être faut prendre le cube. Ah! À tous les coups, faut prendre le cube. Et le poser. Yes! Ah! Alors, je pense que... Voilà, ça aurait dû m'amener aussi là-haut. Ok, ok, je vais le déposer de loin en fait. Voilà, c'est bon. Bien joué. Stylé, stylé. Là, on a un cube jaune, donc j'imagine qu'il va faire la deuxième fois pareil. On peut activer ce truc-là ou pas? Cool. Allez, on va utiliser ça. Ça a scanné, mais je ne sais pas si ça a fait quelque chose. Ah si! Ça a ouvert une espèce de... Ah, de plateforme, mais ça dure pas longtemps. Ok, donc là on peut mettre un truc ici. On va le mettre là. Ah, et ça marche pas parce que c'est pas de la même couleur que le bouton. Ok. Ok, ok. Le bouton jaune il est de l'autre côté d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Ok, donc il va falloir se dépêcher, je pense. Je peux regarder en arrière, je peux me craquer la tête en même temps. Voilà, et là on court. Voilà, c'est passé. Et là j'imagine que ça maintient le pont. Ça a fait un bruit, mais je n'ai pas vu quoi. Ah, bon bah au moins on risque pas de descendre quelque part. J'imagine que le cube vert... Attends, ça fait quoi? Ouais, bon, ça doit faire quelque chose en bas, je pense. Yes, ça a ouvert une porte qui était sûrement ici. Excellent. Et on doit aller dans les billes. Hop là, prendre la rouge. Wow, t'inquiète, t'inquiète, ça va aller. Comment le panique. Mais la rouge elle est pas genre tout là-haut? Ah mais je crois que c'est en plus. Attends, la rouge elle est pas... Là y'a rien, hein. D'accord. Là y'a pas de plaque rouge. Ok, donc je vais enlever ça. On va placer... Ça va le péter le cube, non? Ok, non c'est bon, c'est passé à travers. J'allais dire ça l'a écrasé, non? Parfait, parfait. Un cube rouge à poser quelque part. Ah oui, là, c'est vrai. Ok, c'est bon. On est bien. Et c'était sûr. Ok. Très bien, très bien. Donc là, il me faut la vert et le bleu. Le démoniaque, le terrifiant. Et là, il faut la rouge ici. J'aime pas l'idée de se rapprocher de cet énorme tunnel. Mais je pense qu'on a pas le choix. Ok, donc il faut une vert. Mais le problème, c'est que là, si je prends ça, ça va désactiver les trucs. Oh, ça a pas l'air. Ok, excellent. Donc le vert. Ça fait descendre la plateforme. Très bien. Et ça, ça fait monter. Après, le cube, on peut le jeter, hein. C'est juste que j'ai besoin du rouge, je pense. Parce que là, si je l'enlève, le rouge.
Ouais, ça enlève le truc. Ok. J'ai absolument besoin du rouge. Mais pour ça, je pense qu'à mon avis... Je peux mettre le... Voilà, le truc. D'abord, faut que je descende tous les cubes. Ok. Hop, parfait. Donc ça, le jaune, on en a plus besoin. Donc on le prend. Voilà. Je sais pas si j'en avais besoin du jaune. Ah bah si, voilà, nickel. J'imagine que ça va maintenir la porte ouverte. Voilà. Et le jaune. Ah! Ça a tout éteint. Sympa l'ambiance. Faut que j'aille récupérer le... Le cube rouge. Et pour ça, j'ai besoin de faire descendre la plateforme. Voilà, comme ça. Voilà, ça je le récupère dans le doute. Ah, je le prends avec moi. Et là, j'imagine que je peux prendre le rouge. Oh, yes! Je peux prendre le rouge, je peux prendre le bleu, je peux tous les prendre. Ça a ouvert une porte entre les deux là au-dessus. Génial. Voilà. Hop, et là le bleu on pose là. Parfait. Et le rouge là-haut. Oh, attention, j'ai pas envie d'avoir Wooly Bully qui arrive. Non, c'est bon. Ils sont 4 en fait, les chenilles. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des tableaux? Ah ouais, non, c'est des trucs du plafond qui est tombé. Oula. Danger. Je sais pas pourquoi. Je le sens mal. Ah ah, très drôle. Qui s'amuse avec les boules? Hein? On se marre. Tu veux jouer avec les boules? On va jouer avec les boules. Pas de problème. Hop là. La petite gamelle, c'est sur une boule. Tu tombes dans l'escalier. Game over. Non. Dis-moi qu'il y a une porte ouverte. Oui, voilà. Il arrive. Je sais pas où aller, je sais pas où aller, je sais pas où aller, y'a Wooly Bully derrière moi. Waouh. La salle de contrôle, la salle de contrôle, la salle de contrôle. Vert rouge, vert rouge, vert rouge, vert rouge. Je suis mort, je suis tellement mort, je suis tellement mort. Ok, ok, bon, on va essayer de partir ailleurs. On va prendre un autre chemin. Il arrive. Ok, 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 ok. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, s'il pouvait glisser. Non, mais regarde, tu glisses. Je glisse vraiment sur les boules. Ok, donc là, là, c'est verrouillé à droite. On a capté. On va tout de suite à la droite. Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est pas là. Donc là, je vais là. Yes. C'est quoi? Je peux aller ici ou pas? Let's go, les égouts. Il va pas me suivre ici. Il arrive. Mais qu'est-ce que... Tu déconnes. Il y avait des nombres et tout. Il y avait des chiffres, il y avait un mot de passe à retenir, j'y crois pas. Attendez, mais d'où il y avait un mot de passe? J'ai vu nulle part un mot de passe en fait. Ok, faut reprendre les égouts, c'est ça. Oh, il y a des trucs sur les côtés. Attends, 0, ok, 7. Oh là là, c'était marqué. 0, 7, 0, 7, 0, 0, 7, 0. Oh non, il en manque un, non? 0, 7, 0, 6. Ok, 0, 7, 0, 6. Oh, c'est ça. Oh là 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 là. Et ça continue. Moi direct je fonce là-dedans en fait. Allez. Vite. Oh. Non 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 non. Allez, salut Wooly Bully. T'es deg ou quoi? Oh, il est dégoûté. Oh là 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 là. Le stress. Attendez, on n'est pas encore arrivé. Je pense qu'il va encore nous sauter dessus. Oh non. Pourquoi j'ai dit ça? Oh, je m'en doutais tellement. Il va faire chuter l'ascenseur. Wow, il est tombé. Accrochez-vous, ça dérange. Wow. L'histoire va continuer. Oh là là! Incroyable!
Joyville. Alors là, je dis incroyable, vraiment trop stylé, sérieusement. Oh, mais attends, mais c'est, ce jeu est génial. Alors là, parce que Garden of Banban est génial aussi, mais alors là, Joyville a monté un cran au-dessus, hein, parce que là, on est vraiment comme Poppy Playtime, vraiment, c'est la même. C'est son cousin, tu vois, il était en vacances, et il a dit, oh bon, les gars, le 3, chapitre 3 de Playtime, ça prend trop de temps, j'arrive. Et ben voilà les amis, écoutez, c'était la découverte de, je suppose, le chapitre 1 de Joyville. C'est obligé, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi en tout cas si vous pensez qu'il va y avoir une suite, ce que vous avez pensé un petit peu de l'histoire du jeu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a carrément moyen qu'il y ait une suite, hein, pour ce jeu, hein. Franchement, je l'espère, hein. Vraiment, parce qu'il est incroyable, voilà. Et ben écoutez, les amis, j'espère en tout cas que cette aventure avec moi vous a extrêmement plu sur Joyville. C'est le cas, qu'en est-il? N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur mon point de vue. Les amis, je peux vous dire que dès que Joyville chapitre 2 sortira, le jour J, je serai là. Alors là, le jour J, voilà. En tout cas, merci à tous, les amis. C'était votre Jumper. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, justement, pour ne rien rater au niveau des notifications, surtout quand Joyville 2 sortira. Et je vous dis du coup, à très bientôt avec Wooly Bully. Allez, bye tout le monde.